Comment as-tu ? Mais ouais, je sais. On me demande souvent comment est-ce que je fais pour avoir un corps aussi musclé ? Je réponds tout simplement, je fais une pompe par semaine. Yes ! Ok, j'avoue, le sport et moi, ça fait 12. Mais la raison à ça, c'est que quand on fait du sport, franchement, on peut avoir des gros moments de solitude. Et de 2 ! Voilà, j'ai plus besoin de faire de sport pendant genre au moins 2 semaines. Voici mon top 5 des pires galères au sport. Numéro 5. Parfois, quand tu fais un sport de ballon, genre le foot ou le basket, certains oublient d'être délicats. Ça a dû forcément vous arriver. Là. Mais vise les pieds, là. Numéro 4. Parfois, au sport, tu galères, mais même avant de faire le match. Genre, à l'entraînement. Bon, les gars, aujourd'hui, on est là pour gagner. Pour gagner, il faut s'entraîner à fond, se surpasser. Donc, on va commencer par 4 heures de course à pied, 2 heures de vélo. Ensuite, on va faire 30 minutes de pompe. Ensuite, on va faire 1 heure d'abdos, c'est compris ? Monsieur, on est dans un club de pétanque, là, non ? T'as dit quoi, là ? Vas-y, fais des pompes, par terre, tout de suite. Non mais c'est bien d'être motivé. Numéro 3, quand tu dois pratiquer un sport mais que t'as pas l'équipement adéquat. Salut les enfants, rentrez. Alors aujourd'hui on va faire un sport qui se pratique seulement aux États-Unis qui s'appelle le baseball. D'ailleurs on va faire avec un peu ce qu'on a sous la main. On va prendre vos t-shirts pour faire les bases. On va prendre la raquette de tennis pour faire la batte. Et pour faire la balle? Eh ben on va prendre ça, regarde-moi ça. Parfait, nickel chrome, le baseball. C'est magnifique. Bon, faut l'avouer, des fois, c'est pas l'entraîneur qui a pas le bon équipement. Allez, les gars, on va le gagner, ce match. Oui, oui. Moi, c'est sûr. Bah, peut-être pas, en fait. Moi, j'ai juste oublié mes chaussures, mais... c'est pas grave, celles-là, elles sont un peu neuves, je vais les faire à mes pieds, ok? Ok. Numéro 2, un sport que j'adore, le rugby. C'est juste que moi, j'ai pas le physique pour jouer au rugby. Sur le terrain, moi, je m'imagine plutôt, genre, comme ça. Alors que les autres joueurs sur le terrain, ils me voient plutôt comme ça. Les gars, c'est pas moi le ballon, hein. C'est pas moi le ballon, s'il vous plaît. Alors du coup, j'ai inventé une technique pour ne jamais me faire plaquer au rugby. Je vous conseille de faire pareil. Dès que j'ai la balle, peu importe à qui, je la redonne. Et le numéro 1 des galères en sport, c'est qu'en fait, potentiellement, tous les sports ont leurs propres galères. On pourrait faire un top 100 plutôt qu'un top 5. Par exemple, il y a des sports qui ont des tenues beaucoup plus cool que les autres. Je suis pas sûr de vouloir aller en cours comme ça, moi. Il y a des sports où tu ne peux même pas mettre ta tenue, parce que quand t'arrives dans les vestiaires... Salut les gars, ça va aujourd'hui ? Il y a des fois, le sport que tu fais ne te sert à rien dans certaines situations. Eh, fais gaffe, parce que je fais du ping-pong, ok? Il faut savoir que dans tous les sports, il y aura toujours quelqu'un de meilleur que toi, et c'est un peu énervant. Ouais, Philippe. Ouais, j'ai la confo 231. Ouais. Le seul truc que tu peux faire pour battre ce genre de mec, c'est faire un sport super original. Je fais du cheval. Ouais, c'est pas super original de faire de l'équitation non plus. Non mais quand je dis je fais du cheval, ce que je veux dire par là, c'est que c'est moi le cheval. En fait, je fais des babysitting, bal masqué, anniversaire. Au galop ! J'y vais. Voilà, c'est fini pour ce top 5. On se retrouve super bientôt. Et non, franchement, en vrai, le sport, c'est stylé. Mec, vas-y, c'est mon go, je suis chaud ! Et si vous voulez savoir d'où est venue l'idée de ce top 5, ne ratez pas ma série télé Like Me, seulement sur Disney XD. Moi c'est Like, ratez pas ma série sur Disney XD, Like Me. Je compte sur vous.